Guetta. Voilà, c'est un déni. Le frère Léon, une spéciale salutation à toi, parce que je n'entends pas trop sa voix. Donc, puissamment, ni frère Léon. Il mange. Il est en train de manger. Dans 25 minutes ou 20 minutes. D'accord, ok. Merci beaucoup, maman. Ne de rien, Guetta. Ça va là-bas, Abidjan là-bas, et le soleil, tout ça là, ça va? Non, aujourd'hui on n'a pas eu de soleil. Moi dans mon quartier, comme de façon à Abidjan, tu peux avoir la pluie dans un quartier et puis le quartier qui est juste à côté fait soleil alors. Non, je ne peux pas dire pour les autres. Moi, mon quartier, il n'y a pas eu de soleil, il a plu. Il a plu, mais pas fortement. Il a plu un peu, ça s'est arrêté. Après, la pluie est revenue encore, ça s'est arrêté. Puis le ciel est resté sombre jusqu'à maintenant. Il fait un peu frais, même. Il n'y a pas eu de soleil. Moi, je ne vois pas le soleil. Il a eu le soleil, mais il fait chaud. Là. Ah, ben voilà, tu vois, non? Et ça, Abidjan, il y a plein de changements d'un quartier à un autre. Donc, quand c'est comme ça. Vous avez les quatre saisons là-bas, alors. Vous avez les quatre saisons en même temps là-bas. Ah. Ça même, on a les quatre saisons ici. C'est ça même. On a les quatre saisons. Donc voilà un peu quoi. Donc Abidjan ici. Voilà. Et chez vous là-bas, chez vous en Europe là-bas, comment ça se passe? Ah, c'est le soleil avec le froid. Surtout chez nous ici là, il fait beaucoup froid. Donc il y a le soleil, mais il fait froid quoi. Le soleil comme dans comment on appelle le réfrigérateur. Donc, il y a la lumière, mais il fait froid. Il fait froid, c'est ça même. En effet, j'ai vu avec la vidéo du frère Kanidia Congo de tout à l'heure, là, elle était dans sa voiture. J'ai vu que, bon, le temps est beau, mais il disait que, par moment, il disait qu'il faisait un peu chaud, et puis après, il dit qu'il fait froid. Bon, là, je ne peux pas trop me parler, mais les gens qui étaient à Paris, aux Invalides, là, c'est nos frères noirs qui ne comprenaient rien, qui continuent de se promener en groupe pour décrier la maltraitance de leur peuple. Qui disait une soeur, les prisonniers sont en prison, ils crient liberté en prison. Voilà, c'est ça même. Liberté en prison, ils sont en prison, mais ils crient liberté en prison. C'est ça même. Chose de prison à ciel ouvert là. Donc ils étaient en train de crier sur les Invalides là-bas, l'Afrique ceci, patati patata, mon cher. Là, je les regardais. On va les mettre encore de la maison. On va boucler encore leur bouche là. Ils vont voir. Un mois seulement. La façon, les gens là sont partis encore faire leur réunion là. Dans une semaine, là, ils vont encore mettre les gens dans les maisons. Ah, mais c'est ça. Et c'est ça, justement. Vous croyez que vous avez la liberté? Attendez, on va vous mettre encore dans la maison. Ah, c'est assez. Vraiment. Ils ont fait. Ils ne voient pas, il n'y a pas la solution. Il faut changer. Et mais voilà, c'est tout. Et puis ça, là, quand ils ne veulent pas, ils ne veulent pas comprendre. Je ne sais pas. Ils ne veulent pas comprendre. Il s'est dit que toi, tu les emmènes derrière ton histoire. Il dit, mais vous même regardez. On a prié, prié. Les jeunes passés, les jeunes ceci, les jeunes patati, les jeunes... Tous les noms de jeunes chrétiens a fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Rien. Maintenant, vous entendez quelque chose de nouveau, certes. Mais arrêtez-vous. Et puis examiner, les Écritures même nous disent ça. Il dit d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Est-ce que l'Écriture ne nous dit pas ça? Mais eux, dès que tu parles, et puis ils éclatent des rires. C'est comme si c'est toi l'idiot, quoi, qui raconte du n'importe quoi. Où tu allais chercher ça? Non. Et tout, quand quelquefois tu dis, bon, moi de toute façon, j'ai eu mes informations sur Internet, mais je ne suis pas resté sur Internet seulement. J'ai fait la comparaison
avec les Écritures pour que je sois à ce niveau. On te dit, oh, c'est toi qui interprètes mal. C'est toi qui ne comprends rien de ce qui se passe. Mais c'est écrit dans les Écritures que vous allez entendre, vous n'allez pas comprendre. Ils ne savent pas ça. C'est ça aussi. C'est écrit, vous allez entendre, mais vous n'allez pas comprendre. C'est comme ils sont habitués avec les Grégoire, avec son fils Batola. Donc, ils sont enchaînés dedans. Donc, ils se sentent bien dedans. Ils se sentent à l'aise. Donc, jusqu'à le bateau va l'amener sur la marque de la bête. Ils sont bien. Eux, ils sont bien dedans. Oh non! Au nom du bateau, ils amènent, c'est des moutons, donc ils vont aller droit à l'abattoir. Claire. À l'abattoir du vaccin. Ouais. Claire. Exactement. Ils se sentent bien, ils se sentent bien avec les Grégoire, son fils, ils se sentent bien. Ouais, Claire même. Et il ne faut pas oublier, maman Patricia, les Grégoire va changer ces vaccins-là à l'eau, hein. Ah, il va mettre ça dans l'eau. Non, quand le vaccin va entrer dans le corps, et directement les Grégoire et son fils Ibato, elle va changer. Comme il, mais plus, ils sont dans la maison dans le bateau, non, ils sont dans la mer, donc. Exactement, comme il aime les miracles, Allah, on va voir beaucoup de miracles. Ah, je crois que les miracles, ça n'a pas disparu au moment du coronavirus. Il n'y a plus personne qui parlait des miracles. Et si vous avez fermé la bouche, les miracles avaient disparu. Mais il ne faut pas oublier que les bateaux sont capables de faire tout, hein, sauf rien. Mais il avait fui. Il avait disparu au moment du coronavirus. Tout le monde avait fui. Hein? Qui avait fui? Les gens qui, les pasteurs là, ils parlaient plus de miracles, c'était fini, non? Ils ont entendu quoi, les gens, ils ont fait laisser un peu ouvert, c'est là ils sont sortis. Ils étaient cachés là. Ils avaient laissé les médecins. C'est ça même. C'est toujours quoi? Ils ne comprennent rien. C'est-à-dire qu'ils mettent leur confiance à quelque chose qui n'existe pas. Et après, ils commencent à fuir. Comme ça, ils sont. Voilà. Ça se montre que c'est. Pour nous, c'est un nom. Parce qu'il a laissé. C'est les hommes qui ont soigné les hommes. C'est les hommes qui ont soigné les hommes. Il n'y avait pas de miracle. C'est des hommes qui ont soigné des hommes. Est-ce qu'il y avait des miracles là-bas? Ils ont dit, on va prier, laissez ne toucher pas les hommes. Non, on va faire, on va prier, ça va marcher. C'est les hommes qui ont touché les hommes pour qu'ils soient guéris. Il n'y avait pas de miracles là-bas. Non. Là, omnipotent avec son père, là, il est égoïste. Donc, il donne chacun à sa part. Il fait sortir tout le monde. Il n'y a pas son étranger. Non, tout le monde sortait. Mais pour eux, là, ils bénissent seulement une seule personne. Bonjour, chacun a son jour de bénédiction. Ah, c'est ça. On a vu dans le désert, la manne tombait pour tout le monde. Chacun mangeait à sa faim. C'est ça. Voilà. Mais on dirait dans les églises, là, il y a d'autres qui mangent plus que d'autres. Exactement. C'est pas possible. À l'aise que d'autres. C'est vrai? C'est la chose que les gens doivent comprendre. Mais bon, ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent bien faire. Ils ne veulent même pas analyser certaines choses. Le cerveau était déjà mangé. Le cerveau était déjà mangé. Donc il a fait ça. Maman Patricia, il ne faut pas oublier que les hommes des Grégoire, là, on travaille leur bâtiment là. Tu vois? On travaille ça. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Même la peinture même qu'on fait dans les bâtiments là, on travaille cette peinture là. Exactement. On travaille ça. C'est des sorciers. C'est des sorciers transformés en guérisseurs. Même pas guérisseurs, des sorciers transformés vraiment. Yeah. Les pécheurs se sont transformés de l'homme des Grégoire, quoi. Oui. Il y avait un féticheur. C'est un féticheur. Il regarde, c'est un féticheur.
qui, fétichant, pour le fétichant, ça ne dure pas. Ça va faire un moment et puis c'est fini. C'est le fétichant, le Grégoire, là. Oui, allô? Oui, oui, allô? On t'entend. Ah, ok, d'accord. Je ne m'entendais pas, quoi. Il disait que il y a un truc, comment on appelle le gars, là, un Ghanéen qui est ici, en Côte d'Ivoire, ici. Et ce monsieur-là, dans son église, il était parti au Ghana, parce que c'est son pays qui est Ghana. Il est parti au Ghana, il allait sécher un bébé. Hein, et pour venir. Et ça, les douaniers l'ont attrapé pour ça. Et ça, elle prend pour faire quoi? Elle prend pour mélanger, elle pile ça. Elle mélange ça dans la peinture. Elle prend pour faire. Elle fait là. Tout ce que le gars dit là, c'est ce qu'il fait. Une bouteille d'eau à Ouaha ou bien organe ou bien n'importe quel eau minérale qu'on boit, les gens payaient ça à 2500. Avoir truc et les miracles, mariage, comme les femmes elles aiment mariage beaucoup là, mariage, les travail, voyage, tout ça là. Et le gars là, il avait un canne, ce canne là, cette canne là, si tu veux la toucher, tu dois payer une somme, on dirait, de 5000 francs. Est-ce que vous voyez? Donc c'est les choses comme ça. Ça même le gars là, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison, mais malgré ça, ils n'ont pas fermé l'église. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe toujours. Alors, tu peux voir l'église à l'échangeur de Makori, là. Ça est sous l'échangeur même, juste à côté de l'église. À Makori, Makori résidentiel ou Makori? Makori, non, l'échangeur même n'est même pas Makori résidentiel. Voilà, l'échangeur, Prima, on peut dire juste à côté de Prima. Ah, Prima, là, à Prima, oui, à Prima, oui, le grand, là, boulevard, là, le grand, là, c'est l'autoroute, là. C'est pas boulevard, j'ai ça à dessin. Hein? C'est ça. C'est boulevard, vous, ouais, non, c'est les choses comme ça que ça existe. Donc, le gars, il s'en fait un truc comme ça pour envoûter les fidèles. Donc, tout ce que lui demande, là, tout ce que lui dit, là, c'est ce qu'ils font. Ils sont comme des zombies qu'on les a dressés. Donc, tout ce qu'ils disent, là, c'est ce qu'ils font. C'est comme ça. Et ça existe aujourd'hui, là, c'est ce qui règne. Quand tu parles à un de tes frères, que non, voilà ce qui se passe. Je ne peux pas comprendre parce qu'il a été envoûté. C'est tout. Et ils sont bêtes aussi. Envoûté quoi? Voilà. Non, eux-mêmes, ils ne veulent pas. Tellement ils se sentent bien, ils ne veulent pas. Tous les choses sont ça. En fait, ils se sentent bien comme moi-même. Ils ne se sentent pas. Mais le gars, il lui-même, quand tu le vois, tu sais que. Il se sent pas, mais il est obligé de rester. Il se dit qu'il est obligé parce que, comme le frère Kola Kongo le dit, son cerveau a été mangé. Donc, le cerveau qui a été mangé, c'est l'envoûtement. C'est comme ça se passe. C'est tout. D'autres, ils ont peur. Je pense que ça, ils ont peur d'entendre la bonne nouvelle. D'autres, ça leur fait, je ne sais pas qu'est-ce, ils trompent sur eux. Donc, tout ce que tu vas leur dire là, c'est comme tu ne dis rien. C'est comme c'est ce que le pasteur dit là, c'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est descendu même du ciel même qui est là. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut contredire. Non, toi, tu connais quoi? Lui, il a fait école de ça. Lui, il a fait théologie. Lui, il a été appelé. Est-ce que vous voyez? Oui, mais ça, parce que c'est que la théologie, justement. S'il connaissait la définition de la théologie, là, il n'allait pas répondre comme ça. La théologie, c'est l'étude de façon, eux-mêmes, là, ils ont dit, c'est étude de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Comme nous, on sait que
cet égrégore-là, il n'existe pas pour nous. Donc, ça veut dire que l'étude qu'ils ont faite là, c'est une fausseté, c'est tout. Oui. C'est une étude fausse. Ils étudient le créateur. Leur égrégore-là. Il prend des cours pour mentir. Il prend des cours pour mentir, pour aboutir les peuples. C'est des cours comment manipuler les cerveaux des gens. En fait, c'est pas c'est ça qu'ils vont. Maman, c'est ça la différence. Les égrégores, il faut les étudier. Mais les créateurs, ils se révèlent. C'est ça la différence. Ben, écoutez un peu aujourd'hui les audios que le grand frère Kani a envoyé. Vous voyez, non? C'est-à-dire que le gars, c'est les gens, les geeks. Si tu ne fais pas ce que le pape dit, tu es puni pour ça. Donc, vous voyez comment ça se passe, non? Comment manipuler les cerveaux de gens? C'est ça, c'est voilà, pour manipuler. Si là, il faut que tu manipules les peuples. Voilà, donc c'est ce qu'on les enseigne. C'est ce qu'elle vient répéter sur le terrain. Si tu fais autre chose, tu es puni. Après, quand vous passez c'est-à-dire que vous avez la réunion secrète, on te punit pour ça. Vous voyez comment ils font, non? Donc, on formate leur cerveau dès dedans, au sous-sol. Et quand tu viens là, c'est ce que tu dois répéter. Si tu fais autre chose, Il sera mal chicoté parce qu'ils connaissent. Tout le monde, ils sont en train de faire emmener à la perdition, à l'abattoir, là. Ils vont payer mal, hein. Une fois que tu as signé avec... C'est le pacte avec le diable. Forcément, tu dois respecter ce que tu as signé. Si tu fais autre chose, tu seras frappé. Et lui, son... Quand il te frappe, c'est de te tuer, c'est tout. C'est simple. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent pas changer d'avis. Ils ne peuvent pas changer d'avis. Quand un prêtre te dit que non, s'il fait autrement, il va faire comment pour manger? Soit s'il fait autrement, on le tue. Mais il va te dire que non, il va faire comment pour manger? Ou bien il va faire comment pour vivre? Mais en réalité, ce n'est pas ça. S'il fait autrement, on le tue. On envoie les gens derrière lui, on le tue. Parce qu'il est en train de dévoiler le secret. C'est tout. C'est ça, en effet. C'est ça. C'est pour cela qu'il peut dévoiler. C'est pour cela que ils ne peuvent pas faire sortir le secret. Parce qu'une fois que tu rentres là-bas, on te formate, on te donne, on te dit tout. C'est comme l'armée. Quand tu rentres dans l'armée et tu connais le secret que tu veux sortir, ce n'est pas évident qu'on te laisse. Soit tu quittes le pays, soit on te tue. Parce que tu connais le secret, tu peux former une rébellion. C'est ce qui se passe. Oh. Ça, c'est mal. Ça. D'accord. Bravo. C'est pour nous que vous les touche, quoi. Sinon, c'est pas. Moi, je dis toujours que nous avons la grâce. Et nous avons cette grâce-là entre nos mains. C'est nous, on doit savoir comment attraper, mettre ça, chuchoter ça comme on chuchote un bébé. C'est très important. Parce que le Père nous a donné la lumière. Tenez, mes enfants. Parce que vous avez cherché un jour. Parce que vous avez posé des bonnes questions. Et c'est ce qu'aujourd'hui, on a dans nos mains. Mais ils ne comprennent pas ce que nous comprenons. Mais nous, aujourd'hui, on est sortis de l'eau. Et on est là.
C'est le jour J, on attend. Quand le Père peut pas dévoiler son secret. C'est ça qu'on appelle les miracles. Le Père ne peut pas dévoiler son secret aux hommes parce qu'au départ, quand il l'a fait, ils l'ont trahi. Donc, cette fois-ci, garde pour lui. Ah, ça. Ah, ça. C'est comme ça. Il a tout à fait raison. Ça, c'est vrai. Il sait que ces gens-là, eux, consultent autres personnes dans les cieux. Donc, ces personnes-là peuvent dévoiler le secret le jour J. Donc, pourquoi lui va dévoiler ce secret-là? C'est lui-même, lui seul, c'est lui seul qui sait. Et le jour viendra où lui seul se lève, quand il dit paye, c'est paye. Exécution directe. Et puis c'est fini. Non, vraiment, nos frères qui sont dans les bâtiments, là, c'est la mort. Hein? C'est les morts même qui sont là. Il ne faut pas vous aller vous occuper de cela. Regardez-les comme ça. Si on parle qu'ils ont écouté, c'est ça. S'ils n'ont pas écouté, non, on évolue. C'est tout. Donc, restez puissamment bénis. Guetta. Alors, mon frère Kola Congo, reste puissamment béni. Yenge Kiyaku. Bon, son micro est éteint. Il n'y a pas de souci. On va... Ah, il est là. Yenge Kiyaku, Banabamfu Congo, reste puissamment béni. En fait, il y a un problème de connexion. En fait, ça apparaît et ça disparaît. Tout ce que tu as dit tout dernièrement, la petite phrase qui s'adressait à moi, je l'ai rien entendu en fait. De la fin, maintenant, j'ai entendu que son micro est fermé. C'est pas grave. Essaie de te mettre la fenêtre. Tu peux sortir, mais pour aller dans l'autre quartier, ça ne gêne pas. Il faut chercher le réseau, c'est tout. Mets-toi c'est sur bon. Le toit. Tu viens de rester il n'y a pas de réseau dans ton quartier, va dans l'autre quartier, va dans l'autre secteur pour avoir bon réseau. Ce sont les réalités de l'Afrique. La maison. Emma. Non, je suis dans l'autre quartier. L'Afrique. Ils sont arrangés, ils ont les connexions, ils sont là en train de voler. C'est ce que nos frères convoitent en Europe là. Ce genre de choses, voilà, là-bas les choses sont faciles, c'est plus machin, tout ça là. Ah, le problème, c'est quoi? C'est que ils ont fait ça pour que les gens ne puissent pas avoir l'information. C'est pourquoi la connexion n'est pas fluide ici comme en Europe. Parce que si la connexion est fluide comme en Europe, dans chaque trou, il aura la connexion. Les gens vont se informer plus. Mais aujourd'hui, par exemple, va dans un campement. Oui. Dans un campement, il n'y a pas de connexion. Même pour appeler, même c'est un problème. Si ce n'est pas dans les villes. Donc, ça aussi, c'est vrai. Même c'est l'handicap encore pour nous. Et nous qui avons la possibilité, les moyens de connaître l'importance de cet outil, on fait tout possible pour qu'on puisse avoir cet outil pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse se connecter, pour qu'on puisse avoir les informations qui sont utiles. C'est méchant. Tout ça, c'est fait exprès, vraiment. C'est fait exprès. On prend le cas comme l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est dans tous les campements, il y a école? Non. L'éducation n'est pas stable en Afrique.
Donc, c'est même chose comme la conversion. C'est qu'on fait de l'autre côté. Ici, on ne peut pas avoir ça 100% naturel. Bon, comme mais les gens qui distraient les gens là, qui emmènent les gens là, dans les... donc c'est les trucs, les réseaux qu'ils ont laissés, ils ont la connexion. Ceux qui distraient le peuple, quoi. Ceux qui ont la connexion facile, donc ça passe. Ils n'ont pas de problème de connexion. Mais ceux qui sont intelligents, ils ont un problème. Non, c'est ça, M. Patricia. En réalité, c'est fait exprès. Ils ont ciblé. Ils ciblent en fait ceux qui réveillent réellement le peuple. Ceux qui éveillent, je ne dirais même pas réveiller, parce que là encore, c'est grave. Ceux qui éveillent le peuple, on les bloque d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est quelque chose qui est fait exprès. C'est fait exprès. Ah, c'est malheureux. C'est malheureux. Et franchement, le message, non. Ici, c'est difficile. Je vous dis, moi-même là, si je n'ai pas fait un peu de garçon, je ne pourrais pas me connecter comme ça. Je me demande combien de personnes ici au Bénin pourront vraiment écouter nos messages. Exactement. Nos messages prennent des 200, 300 mots. Ici, qui va télécharger? Qui va suivre? C'est difficile, ça. C'est difficile. Non. C'est malheureux ce qui se passe. Ils ont bien miné la terre. Ils ont bien miné la terre, là. Totalement. Donc, ceux qui se posent un peu de questions, ils n'ont même pas la possibilité d'écouter d'autres versions pour savoir que, ah, voilà là, le problème que j'ai par rapport aux religions, parce que beaucoup de personnes se disent, il y a quelque chose. Oh, coupé. C'est de ça qu'il s'agit de parler. Comme ça, donc c'est ça en fait. Au fur et à mesure que tu réfléchis, tu vois les failles et ce il y a rien. C'est dommage. Écoutez, il y a les gens qui payent la connexion, peut-être la connexion, il peut avoir connexion de peut-être 100 mots. Il peut souscrire peut-être pour 100 francs. Il peut souscrire peut-être ceux qui ont le franc CFA, connaissent le franc CFA, peut souscrire pour 1000 francs. Il peut souscrire pour. C'est-à-dire que c'est peu et puis c'est cher. Tu ne peux pas te télécharger une vidéo de 3 heures ou bien de 1 heure. C'est impossible. C'est ça. Et puis, il y a d'autres personnes aussi, ils sont là pour distraire les gens. Et quand les gens là, ils se sacrifient pour avoir un peu de connexion, ils vont rien faire de bon avec ça. Ils vont aller regarder les choses inutiles. C'est ça. C'est fait exprès. Ouais. Il faut seulement pour nous qu'on vient frapper. Comme ça, C'est ce qui est populaire, comme l'alcool. Aujourd'hui, l'alcool est populaire. Mais ils ont tué le peuple avec l'alcool. Le peuple est tué avec l'alcool. Tout le monde, alcool. Et puis, il n'y a plus de réflexion. Des soi-disant intellectuels, tu te demandes. Ça coupe. Ça. Vraiment, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Pour nous. Voilà, on ne t'entend pas. Si tu es en train de parler, mais vraiment, ça a coupé. Hein. Ouais. C'est ça. Je dis, le peuple est totalement tué avec l'alcool. L'alcool a tout détruit. Même ceux qui se disent intellectuels, tu vois leur raisonnement, tu vois qu'il y a.
rien ne va, rien ne va. En effet, il n'y a que l'alcool seulement maintenant qui est la première des choses pour les jeunes. Tu vas, moi, dans mon village ici, tout près même là, ce beau village qu'on avait, à l'heure actuelle, tu t'en vas dans le village, il n'y a que des bistrots seulement, des maquilles. Cette miséricorde du Congo de leur permet d'aller au juste. C'est tout. Et franchement, mais chez nous même, ce que j'entends là, on dit la bouteille de bière est moins chère que la bouteille d'eau. Mais donc l'eau est plus chère que la bière. Voilà. Là au moins ils vont boire beaucoup plus la bière que de boire de l'eau. Alors que l'eau c'est la meilleure des boissons. C'est des sorciers. Ah, c'est ça, tout est fait exprès. Tout a été calculé pour plonger davantage. Mais cette Afrique dans le néant, dans le tout. Mais l'eau est plus chère partout, hein, partout. Je me mets ici, l'eau est plus chère que la bière. Ah! Ouais. L'eau est plus chère que la bière. Et pourtant, c'est avec la bière, là, on fabrique. Il y a l'eau avec de la bière, ils mettent l'eau. Donc, non, c'est pas sérieux. La bière, en fait, tu dis que 3 bouteilles de bière à 1000 francs. Alors que l'eau là, une bouteille, ça peut te coûter soit 500, il y a les endroits où ça ne sert pas 1000 francs. Ça dépend de chaque qualité, chaque endroit au minéral, soit disant minéral, soit bon. Et Cola, 800 francs, c'est combien d'euros? 800 francs, bon, c'est... Disons 1 euro, hein.1,50 €. C'est la seule chose que je dis, la seule grâce que ce peuple a, c'est ce jugement, cette miséricorde de Mfumu Congo de l'Est. L'information n'est pas bonne. Le pauvre, il parle, on n'entend pas, c'est encore coupé. Là où il y a les bonnes choses, il coupe. Ah. Nation, ouais. Ok. Vraiment. Je commence de parler, la connexion me lâche. C'est ça. Mais bon, en tout cas, je m'en fous. Comment les rebelles, en Afrique là-bas, ils ont de bons téléphones avec le réseau. C'est bizarre. Hein? Les rebelles, ils ont les téléphones avec l'internet. Ils peuvent parler. Donc c'est un peu, non, c'est trop bizarre quoi. Maman Pat, c'est comme si ça dépend des mégas que tu achètes, hein? J'espère. Maman Talia. Oui, papa. Actuellement, moi, je peux dire non. Actuellement, là où moi je suis, je peux dire non. C'est bien une destruction, c'est bien quelque chose qu'ils ont. Si Mantali avait payé un forfait d'un mois de 20 000 francs CFA, de 20 000 francs CFA, ça, c'est pas donné à la moitié même du pays. Qui va faire ça au pays? Moi-même, là, si c'est pas que j'ai des examens, des conférences et puis on doit faire les réunions, mais je vais faire un forfait de 20 000 francs, ça ne va pas, je ne peux pas faire ça. Et pourtant, combien de fois, je ne peux même pas parler pendant une minute, maintenant on me coupe, chaque fois, on coupe. Donc ce n'est plus lié alors à ton forfait.
Tu n'es plus lié à ton forfait alors. Non. Pour la Congo, excuse-moi. Tu es rentré avec tous tes bagages et puis tes papiers, je veux dire, passeport et tout ça. Il va encore couper. On va après. Il faut qu'on garde l'endurance parce que c'est pas bon. C'est pas ça. Oui, je disais, j'ai le nécessaire, le plus important avec moi. Donc, ce qui est resté, c'est ce qui pouvait être abandonné si je n'y retournais plus, quoi. Non, je vais dire à l'aéroport. Tu es rentré avec tes passeports. On t'a remis ton passeport, non? Quand tu es arrivé au... Ils l'ont gardé d'abord. Ils l'ont gardé pour... Je crois 72 heures, hein? Oui, mais tes 72 heures sont passées, non? Oui, j'ai été chercher déjà. J'ai été chercher avec la valise. Oui. Attendez, mais c'est ce que je n'ai pas compris. C'était par rapport à quoi? Oui. Pourquoi ils prennent le passeport. Non, en fait, c'est quoi? Ils font, quand tu descends en même temps, ils font encore le test. Le test que vous avez fait avant d'entrer dans l'avion, vous descendez en même temps, vous faites encore le test. Donc, et garde, en fait, le COVID est sans cerveau. Tous ceux qui gèrent cette affaire sont sans cerveau. Et ce qui montre que le truc est bien faux, en fait. Vous venez, vous descendez, vous faites un test. On ne vous donne pas le résultat. On vous prend vos passeports. Et vous rentrez chez vous. Mais c'est payant aussi, Faïkola, les tests là. C'est payant, maman Talia. Je pense que c'est payant. Eux, s'ils veulent leur part. Hein. Oui, comment? C'est 45 dollars. Hein. Je pense là-bas, c'est 50 000 ou 50 000, avec 50 000, un truc comme ça. Au coupé. Ils prennent 52 125 francs. Donc, après les 72 heures, ils vont prendre 51 125 francs pour te remettre le passeport et le résultat. Mais ce que je dis, c'est quoi? Mais lorsque vous faites un test, vous... La connexion est mal. Vraiment. Ah, l'Afrique. Le pauvre. Les blancs pourris. Il faut qu'on puisse être fort quand on va rentrer sur la terre. Là, il faut qu'on puisse être vraiment... Exactement. Alors, puisque vous êtes en train de dire que vous protégez la nation, vous... Ah ouais, malheureux. Hein? Donc, on laisse personne rentrer chez lui pendant son... Mais arrive chez lui, s'il a déjà la maladie, qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire qu'il donne la maladie à tout le monde d'abord et revient son 12 heures après pour voir qu'il est positif. Alors, qu'est-ce qu'on fera maintenant de celui-là? C'est maintenant on va le mettre en quarantaine. Et ceux qui l'ont déjà cohabité, ceux qui l'ont partout, il a pris les bus, métro, et quoi, bus, quoi. Et tout ça. Ça montre que vraiment, rien n'est réfléchi. C'est juste quelque chose qui leur sert de commerce simplement. Ça n'a pas de raison, d'autres raisons. Ah non. Comme vous disiez, ouais, ça n'a pas de sens. C'est du n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Oui, c'est une organisation financière. Qui voilà. Exactement. Ouais. C'est un commerce. C'est tout. Non, c'est malheureux. Moi, le jour en fait, je voulais aller prendre le résultat, j'étais énervé comme ça. Je voulais simplement qu'une des autorités puisse me dire de me déplacer un peu de mots. J'allais leur tomber dessus fort même. Et je disais, même le président de la République, moi, Joseph, en face de lui, je lui dirais que ça, c'est le vol.
il y avait deux messieurs qui parlaient, un monsieur et une dame qui parlaient et qui cachaient le mot, qui disaient, mais c'est pas bon ce qui se... Je dis, écoutez, cessez de tourner autour du pot. C'est du vol ce qu'ils font, c'est du vol. À haute intelligible voix. Je dis, je m'en fous d'eux. Oui, d'accord, ils vont venir, ils vont me prendre, ils vont me faire quoi? Ils vont me mettre en prison, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je répéterai que c'est du vol. Parce que si c'était vrai, si on fait le test en même temps, vous donnez le résultat. Vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un de rentrer chez lui. Et rentrer chez lui, ça veut dire que vous ne protégez plus la nation. Alors, à quoi ça sert? J'ai déjà fait un test, je rentre dans l'avion, c'est l'avion qui m'a contaminé encore une fois. Est-ce que c'est l'avion qui m'a contaminé? Puisque tous ceux qui sont rentrés dans l'avion sont testés négatifs. Alors, qui m'a contaminé? Non, c'est malheureux, quoi. C'est malheureux. Ça a détruit. Il n'y a plus rien de bon dans ce monde-là. Ça a détruit. C'est du vol international, hein? Même ici, avant de faire... Même là, qui se déplacent, est-ce que tout le temps, ils font les chefs là, est-ce qu'eux, ils font ce que les traqueurs donnent aux gens là? Est-ce qu'ils sont dans les réunions, passer les voyages, les prisons, eux, ils ne font pas le test là? Pourquoi ils font souffrir les gens comme ça? Et c'est pour les petits peuples. C'est pour les petits peuples. C'est vraiment non, c'est méchant ça, c'est méchant, vraiment. Il n'y a rien à faire, hein. Il faut que Fumukong vienne détruire ce monde parce que... Vraiment méchant, c'est vraiment méchant, c'est vraiment méchant. Et personne ne peut parler, tout le monde est consentant, tout le monde est consentant. On dit, ah, c'est une décision de l'État, du gouvernement, donc... sachez parler, j'ai dit, moi, Joseph, savoir parler à qui? Au président de la République ou bien à qui? Savoir parler à qui? À qui? Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Ah, Frère Kola Kongo avec son truc là. Ça, tu vas monter sur un arbre. Tu vas monter sur un arbre là-bas, il faut monter dessus. Rien. on va faire Frère Kola Kongo, il faut monter sur un arbre, c'est un arbre là-bas, parce que là, la connexion c'est... Ah, vraiment.